Tout a commencé quand Seb Lafrite a déclaré que « J'ai du mal avec les ouin-ouin des youtubeurs. On parle de pression mentale pour un mec qui fait le meilleur métier du monde, les gars. » Et forcément, ça a relancé le débat sur est-ce que les youtubeurs ont le droit de se plaindre, est-ce que youtubeur c'est un métier facile ? C'est un peu comme les artistes ou devs genre MDR, les mecs vivent de leur passion et trouvent quand même les moyens de se plaindre. Ok, donc on n'a pas le droit de se plaindre si on aime son métier. Il a carrément raison s'il parle des youtubeurs bien riches là. Ok, donc on n'a pas le droit de se plaindre si on aime son métier et si on est riche. Les gens qui disent mastu. C'est un autre influenceur qui avait notamment fait une vidéo pour pointer du doigt les problèmes de son métier. Alors qu'il a plongé littéralement dans une dépression MDR, c'est clairement pas la même chose, renseignez-vous, surtout il parle des ouin-ouin de YouTube. Oh, la dépression, ça y est, il t'a matabouté avec sa vidéo. Matabouté? Y'a deux mecs qui viennent sonner chez toi pour Halloween que t'es déjà en train d'appeler ton psy. Là, on parle d'un mec qui ne se sentait même plus tranquille chez soi, et ça, tu pourras jamais le comprendre. Il est millionnaire, il dégage au KLM. Un brin de mauvaise foi, un zeste de méconnaissance, un baril de jalousie, et vous obtenez ce genre d'opinion désastreuse.